Alors, madame, monsieur, pour commencer votre déjeuner, je vous propose sur votre droite un bonbon de foie gras à la betterave, sur votre gauche un dôme de petits pois et au centre de la table une tartelette mousse pois chiche. Excellente dégustation. Monsieur, traditionnel ou céréal? Traditionnel. Donc, madame, monsieur, en guise d'amuse-bouche, je vous propose une mousse de tomate servie avec son émulsion mozzarella. Excellente dégustation. Alors voici donc la première partie donc des quatre entrées. Donc sur votre droite, vous avez le tourteau décortiqué avec légumes croquants et un espumal à la divèche. Donc c'est une variété de céleri. Et ensuite, donc queue de langoustine poulet, crumble de saté. Donc ce sont des épices indiennes avec un mousse de petits pois. Bonne dégustation. Alors voici donc la suite des quatre assiettes. Donc salade d'asperges blanches, émincée de truffes blanches d'été et mousseline à la truffe. Et ensuite donc le lapro sur la gauche avec légumes croquants, émulsion à la noisette et du foie à canard confit. Voilà, bonne dégustation. Madame, donc le pigeon à la rouennaise, qui est entièrement dégoûté, en bas le tigre, et le foie à canard poulé. Et dans le bol, vous avez des ravioles verdes qui sont préparées avec des abats de poulet. Donc le turbo, donc avec févette, un jus au citron confit et des shimeji, champignons japonais. Donc, je ne sais plus qu'à déguster. Voilà, donc là vous avez un pré-dessert, donc c'est une gelée de menthe avec un espuma donc à la bergamote. Là c'est les mini-indices pour vous accompagner ou pour accompagner le café. Hop. Alors voici donc les quatre desserts. Donc sur votre droite, le millefeuille minute à la vanille de Bourbon. Là, vous avez donc des framboises marinées avec un sorbet au basilic. Donc vous avez un aspic de fraise avec un sorbet fruits rouges et une mousse chocolat. Donc la bonne fin de repas. Donc dans l'ordre que j'ai annoncé pour la dégustation. Donc par le millefeuille et ensuite les fruits rouges. Donc, attention, pour vous un an. Joyeux anniversaire. Donc vous commencez avec une tartelette basilic fraise, une tulle aux amandes et pistaches, une tartelette praline rose et vous terminez avec un financier au sésame. Pour accompagner votre café, je peux vous proposer du nougat, de la pâte de fruits aux pommes, de la truffe au chocolat et du caramel au beurre salé. D'accord.